Claire. Combien a-t-il de retard ce train? Bah, de bonnes heures au moins. Idiot, mais triple idiot. Mais non, c'est de moi que je parle. Je me faisais une joie d'aller à la gare de surprendre. J'avais mis ici en avance pour être sûr de ne pas les manquer. Et voilà que je m'assoupis dans un fauteuil. T'aurais dû me réveiller. Je vous croyais parti. Écoutez, ils sont là. Mais non, le temps de faire descendre les bagages. Mais il ne doit rien avoir des bagages. Pourvu qu'elle soit restée la mienne. Une femme si gaie, si facile à vivre, si admirable. Je me rappelle le jour où mon père m'a flanqué son poing en pleine figure. C'était l'époque où il tenait boutique dans le village. On était venu ici, je ne sais plus pourquoi. J'étais encore un sac. Et mon pauvre père est venu en boutre. Ouais, ça se passait là, dans la cour, devant tout le monde. Et j'avais nez qui saignait, mais qui saigne. Je la vois qui s'approche de moi. Elle me prend par la main. Elle me met ici dans la chambre des enfants. Et elle me lave le nez au lavabo en me répétant. Leur prends mon petit Mougique, ça ne t'empêchera pas de te marier. Son petit Mougique. Ah, c'est vrai que mon père était un Mougique. S'il pouvait me voir aujourd'hui avec mes souliers neufs et mon beau gilet, il me traiterait de cochon dimanche. Il aurait raison. Il n'y a rien à faire. Grattez nouveau riche. Vous trouvez une moule. Par exemple, je prends un livre, je cherche à comprendre, qu'est-ce qui m'arrive, je mande. Les chiens se sont agités toute la nuit. Ils sentent que leur maîtresse approche. Nacha, qu'est-ce que tu as? Mais ma tremble, je crois que je vais m'évanouir. Tu es trop douillette. D'ailleurs, tu t'habilles au-dessus de ta condition. Tu te coiffes comme une demoiselle. Ah, ça n'est pas bien. Chacun doit savoir rester à sa place. Le jardinier vous fait dire qu'il a cueilli ses fleurs pour la chambre de madame. En revenant, tu m'apporteras du kvass. Tout de suite, monsieur. Il gèle. 3 degrés en dessous de zéro. Et tous les cerisiers en fleurs. Décidément, je me refuse à approuver le climat de notre pays. Oui, je m'y refuse. C'est un climat qui n'est jamais logique avec lui-même. Tenez, c'est comme ces bottes. Je les ai achetées avant-hier, et bien j'ose affirmer, elles grincent. Elles grincent même au-delà de tout ce que la patience humaine peut supporter. On dirait qu'elles le font exprès. À votre avis, faut-il les graisser ou faut-il attendre? C'est un problème. Fiche-moi la paix, te fais bailler. Un malheur par jour. Voilà mon lot sur cette terre. Notez que je ne me plains pas. J'ai pris l'habitude. Je souris. Il faut que je m'en aille. Qu'est-ce que je vous disais? Pour tout vous dire, il vient de me faire sa demande. Ah. Oui, en mariage. Et je ne sais pas comment je m'en tirerai. C'est pourtant un homme sérieux, posé. Mais voilà, il suffit qu'il vous adresse la parole pour que tout s'embrouille dans votre tête. Vous écoutez, vous sentez que c'est beau, que c'est vrai, mais vous ne comprenez rien. Pourtant, il me plairait plutôt. Il m'aime à la folie. Mais il attire vraiment trop les catastrophes. Vous savez comment on l'a surnommé? 36 malheurs. Oui, elle est là. Ben, peut-être qu'elle ne me reconnaîtra même plus. 5 ans. Oh, je savais bien que je m'évanouirais. Je suis plutôt par ici. Voyons. Ah, mon Dieu. La chambre des enfants, ma chambre d'autrefois.
pas comme je l'aime, mais comme je m'y sens bien. Quand j'étais petite, je couchais là. J'ai l'impression que c'était hier. Rien n'a changé. Ah, Maria. Elle n'a plus, elle n'a pas changé. Elle a toujours son petit air de religieuse. Oh. Ah, elle en a... Oh, je reconnais aussi le mien. 2 heures de retard. Ah. Le monde se doit dans le désordre. Écoutez, maman, venez, venez, venez. Allez. On vous attendait. On languissait après vous. Toutes 4 nuits, je ne dors pas. Je me sens toute glacée. Vous êtes partie avec la neige, vous revenez avec le printemps. Ah, Nia, ma toute belle. Moi aussi, je languissais après vous. Parce qu'il faut que je vous annonce une nouvelle. Encore des histoires d'amoureux? Non, une demande en mariage. Oh, qui? Le comptable, le demain de Pâques. 36 malheurs? Oui, c'est ce qui me fait réfléchir. J'ai encore perdu toutes mes épingles. S'il fallait comme il m'aime, il m'aime à la folie. Ma chambre. 1000 fenêtres. C'est comme si je n'étais jamais partie. Demain, je me réveillerai ici. Mais je pourrais courir dans le jardin. Oh, si seulement je pouvais dormir. Je n'ai pas dormi de tout le voyage. L'inquiétude. C'est quelqu'un qui est arrivé ici avant-hier. Hein. Qui? Monsieur Trofimov. Oh, vous savez où s'installer? Dans le lavoir. Il a tellement de peur de déranger tout le monde. En ce moment, il dort et Mademoiselle Maria a défendu son réveil. Mais on pourrait peut-être lui dire que vous êtes là. Douniache. Oh, vite, du café! Toute petite maman veut boire du café. Tout de suite, oh, enfin, vous êtes tous là! Merci! Enfin, je te retrouve, ma chérie! Ma toute belle! Oh, quel voyage! Oh, oui! Viens. Nous arrivons à Paris. De la neige tout le temps. Nous arrivons à Paris. Nous trouvons maman installée à un 5e étage. L'appartement est rempli de gens qui ont l'air d'être là comme chez eux. Des dames, un prêtre, des Français. Oh. Ça sent le tabac dans toutes les houses. Aucun confort, naturellement. Puis, j'ai eu pitié, tellement pitié de maman. J'ai pris dans mes bras, doucement, sa tête. Et elle m'a caressée en pleurant. Non, sans dire un... Chut, tais-toi. Elle avait déjà... Tais-toi. Elle avait déjà vendu sa villa à Nanton. Il ne restait plus rien. Et moi, tu sais bien, j'avais à peine de quoi payer mes billets de retour. Bien sûr, maman ne se rend compte de rien. Nous mangeons à la gare, au grand buffet de gare, à la carte. Oh, tu te souviens, Yasha, le valet qu'on avait emmené avec nous. Ben, lui, il se fait servir des repas encore plus somptueux que les autres. Oh, attends, j'ai entrevu ce garçon tout à l'heure. Il m'a l'air d'un fameux coquin. Et ici, où en sommes-nous? Les intérêts sont payés? Payés? Avec quoi? Oui, là. La cerise sera mise en vente au mois d'août. Oh, oh, celui-là! Tu sais si je pouvais le... Oh, oh, c'est pas vrai. Maria, dis-moi la vérité. T'as demandé en mariage. Pourquoi? Discutez-en tous les deux, ce serait tellement plus simple. Qu'est-ce que vous attendez? Rien. Tu sais, j'ai comme une idée que ça ne se fera jamais. Il est tellement occupé par ses affaires, il ne pense tellement plus à moi. Moi, j'ai envie de le rencontrer, ça fait trop mal. Tu sais, je viens dans la maison, mais je n'ai qu'une idée en tête. Te voir mariée, c'est un homme riche. Et comme ça, je serai apaisée. J'entrerai au couvent. S'il y est plus tard, je ferai les grands pèlerinages. Je visiterai les monastères. Kiev, Moscou, les lieux saints, et je marcherai. Je marcherai sans jamais m'arrêter. Oh, splendeur divine. Écoute, quoi? Dehors, les oiseaux chantent. Quelle heure peut-il être? 3 heures au moins. Allons, c'est l'heure d'aller dormir, ma chérie. Allez, viens, viens. Splendeur divine. Thank you.
peut entrer, oui. Cacha ! Est-ce que ça peut changer un homme tout de même d'être allé à l'étranger ? Oui. Oui, rappelez-moi donc votre nom. Sonyacha, la fille de Fedor, vous ne vous souvenez pas ? Mon chou. Oh. Qu'est-ce qui se passe encore ? Je crois cassé. Oh. Inutile de pleurer. Oh, casse blanche porte chance. Maman, c'est pas encore que Pierre est arrivé. Ah non, non, non. Surtout pas avant demain. Mais Pierre, c'est l'ancien préfecteur de Tilly. Eh bien, justement, quand elle le reverra, les mauvais souvenirs reviendront. C'est vrai. Il y a 6 ans déjà, mon petit frère Richard est tombé dans la rivière. Juste un mois après la mort de papa. Après cela, maman a voulu partir. Partir le plus loin possible. Ne plus revenir. On peut la comprendre. Madame prendra son café dans la chambre des enfants. Alors, ce café, il est prêt ? Une peau de crème, où l'as-tu mis ? Oh, pardon ! Tenez, douille ! Madame est rentrée de Paris. Paris ! Le père de madame aussi allait à Paris. Mais lui, c'était en voiture. On attelait les chevaux. Et là, et là ! Et en route pour Paris. Mais pourquoi ris-tu à ce point-là? Hein, Fierce? À vos ordres, mademoiselle. Non, je te demande pourquoi tu ris. Parce que ma maîtresse est revenue. Ah. J'ai voulu vivre jusqu'à ce matin. Maintenant, tout m'est égal. J'ai le droit de vivre. Je prenais 34 heures. C'est dommage, on aurait tant de choses à se dire. Dis au bas André, vous savez que vous êtes toujours aussi beau. Oh, et même en sorcelant. Ouais. Oh, les robes de pied, la dernière mode, oh, la vie parisienne. Vous le frère, j'ai dit partout que je suis une brute, un douche, un profiteur. Et bien qu'ils le disent, ça me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs,
seulement avec vous, c'est différent. Je voudrais toujours sentir que vous avez confiance en moi, comme par le passé. Je voudrais que vous puissiez me regarder toujours avec ces yeux-là, ces yeux où il y a tant de souvenirs, où il y a du rire et des larmes. Pas ces yeux qui n'ont pas changé. Oh mon Dieu, mon père était sire de votre grand-père, mais elle vous avait tant fait pour moi que j'ai oublié tout le reste. Et que je vous aime comme une petite sœur. Et même surtout ne me demandez pas plus si c'est pour que vous. Non. Oh, je suis presque trop heureuse d'être ici. Pour que je ne meure pas de bonheur cette nuit. Mais non. Datchenka, ma fille, vous fait ses compliments. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire quelque chose d'agréable, de réconfortant. Mais il me reste à peine quelques minutes. Enfin, en deux mots, voici. Vous savez que vos créanciers ont obtenu une ordonnance du tribunal et que la cerisée sera vendue le 22. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Dormez sur vos deux oreilles, mais rien n'est perdu. Vous avez la chance d'avoir une propriété qui n'est pas loin de la ville et qui est même desservie par la nouvelle ligne de chemin de fer. Écoutez-moi. Vous découpez en parcelles la cerisée, aussi la bande de terrain qui longe la rivière. Vous faites construire là-dessus des pavillons que vous mettez en location. Et tout vous rapporte 25 000 roubles par an. Vous écoutez au moins? Inutile. C'est absurde, doucement absurde. Moi, j'ai écouté, mais je n'ai pas bien compris. Vos locataires iront facilement jusqu'à 25 roubles l'hectare. Et si vous annoncez tout de suite la mise en lotissement de la cerisière, je parie tout ce que vous voudrez qu'on s'arrachera jusqu'au dernier de pain de terre. Là, tout s'en ira comme des petits pains. Résumons-nous. Vous lotissez, vous louez, et vous êtes sauvés. Et moi, je suis premier, vous félicitez. Voilà. Aussi des merveilleux, la rivière du fond. Ah, bien sûr, il faudra débroussailler le terrain, démolir quelques vieux murs. Cette maison-ci, par exemple, qui n'en a plus guère pour longtemps. Abattre la cerisée. Abattre la cerisée? Mais pardonnez-moi, mon pauvre ami, mais vous n'avez aucun sens des réalités. S'il y a dans toute la province quelque chose d'intéressant et même d'indiscuté, c'est bien notre cerisée. Elle est unique. Mais unique par son étendue, voilà tout. Quant aux cerises, parlons-en, elles ne viennent qu'une année sur deux. Et quand elles viennent, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Mais personne ne les achète. Mais ça ne fait rien. Abondance de biens ne nuit pas. Mon grand-père avait composé une chanson sur la cueillette des cerises. Oh. Ah, si j'avais ma guitare. Tenez, même dans le dictionnaire encyclopédique, il était mention de la cerise. C'est une référence tout de même. Si nous ne prévoyons rien, si nous ne décidons rien, tout sera vendu le vin de haut, la maison, la cerise, et le reste. Alors cherchez vous-même. Moi, je ne cherche plus, parce qu'il n'y a qu'une solution, celle-là, et pas une autre. Autrefois, il y a 40 ou 50 ans, nous mettions les cerises à sécher. Ou bien, on les conservait dans le vinaigre, ou bien, on faisait des confitures. Fierce, tais-toi. Ou bien, on les expédiait à Kharkov, à Moscou. Des charrettes entières les unes derrière les autres. S'en faisait de l'argent. Il faut dire qu'à cette époque, les cerises sèches étaient douces, fondantes, sucrées. Vous n'avez qu'une recette pour faire sécher les cerises. Eh bien, il n'y a qu'à la retrouver, cette recette. Où est-elle? On l'a perdue. Oh, personne ne se rappelle. Et à Paris, chère madame, quoi de neuf? Avez-vous mangé des grenouilles au moins? Oui, et même du crocodile. Voyez-vous ça? Paris tout de même. Autrefois, on trouvait dans les campagnes que deux sortes de gens, les propriétaires et les paysans. Mais on y rencontre maintenant un animal nouveau et bizarre, le citadin en vacances. C'est pour lui qu'on construit partout. On peut même prévoir que d'ici 20 ans, le citadin en vacances se sera que multiplié à l'infini. Pour le moment, il se contente de boire timidement sauter sur la véranda.
un de ces jours, à force de regarder son petit terrain, il lui viendra des idées de grande exploitation en école. Alors, votre cerisaine deviendra le camp le plus riche, le plus luxueux de toute la province. Absurde, absurde, absurde. Petite maman, j'ai là deux télégrammes pour vous. Ça vient de Paris, naturellement. Adieu. Yuba, je parie que tu ne sais pas quel âge a cette armoire. Eh bien, moi, je sais. L'autre semaine, j'ouvre le tiroir du bas, je regarde et je vois une date marquée au fer rouge. Cette armoire a été fabriquée il y a 100 ans. Oh. Si on voulait, eh bien, on pourrait célébrer son centenaire. Oh. Bien sûr, vous allez me dire, c'est ridicule qu'on n'a jamais souhaité sa fête à une armoire. Mais cette armoire est un petit peu plus qu'une armoire ordinaire. Voyez-vous ça? 100 ans! Bah, on peut en voir des choses en 100 ans! Ah, c'est que ça commence à compter, oui. Hein? Ah, chère armoire! Très chère et honorée armoire! Nous te présentons nos meilleurs voeux et nos respects. Nous saluons ta longue existence, tout entière dévouée à la justice sociale et à la dignité humaine. Voilà un siècle que, silencieusement, de père en fils, tu nous enseignes les vertus du travail et que tu te dresses au milieu de cette maison, telle une des colonnes d'avenir, un avenir meilleur, fait de lumière et de conscience sociale. Bravo! Évidemment! Ah, oh, toi, Diana, tu es toujours le même. Je carambole le boule rouge au milieu, je carambole à droite. Cette fois, il faut que je m'en aille. Vos pilules! Non, non, chère madame. Et moi, les médicaments, ça les cuvants. La preuve. Oh, Yacha. Bon. Mais vous êtes fou. J'ai tout avalé. Quel gouffre. Monsieur est venu nous visiter à Pâques, mais il a mangé tout un demi-seau de concombre. Oh. Il faut tout de même que je m'en aille. Avant 3 semaines. Au revoir. Pourtant, je n'ai aucune envie de m'en aller. Si vous vous décidez pour les pavillons, prévenez-moi. Je trouve 50 000 roubles dans la journée. Mais pensez-y. Bon, regardez-le, il ne s'en ira pas. Mais si, allez. Je m'en vais. Oh. Ah, quel goujat. Oh, pardon. J'oublie toujours qu'il va épouser Varia. C'est une plaisanterie, mon petit oncle, qui ne me fait même plus rire. Et après tout, pourquoi ne l'épouserais-tu pas? C'est un mariage qui nous ferait plaisir à tous. Un si brave homme. Oui, et qui mériterait qu'une femme s'occupe de son intérieur. La Tchenka, ma fille, me le répète tous les jours. Ah, j'oubliais, mon Dieu, où ai-je la tête, chère madame? Oh, réjouissez-vous, vous allez pouvoir me rendre un grand service. Oui, il se trouve que j'ai à payer les intérêts de mon hypothèque. Et cela ne vous coûtera que 240 €. Non! On ne les a pas, on ne les a pas. Oh, oh, oh. Même plus de 140 €, mais c'est ridicule. Oh, vous les trouverez, je suis tranquille. Je suis toujours tranquille. Non, tenez, un soir, je fais les comptes, et je m'aperçois que je suis ruiné. Bon, un autre en aura attrapé une maladie d'estomac, moi, non. Et voilà qu'un matin, on se met à construire le chemin de fer sur ma propriété. On me supplie d'accepter de l'argent. Bah, je reprends. Hein. Oh, depuis ce jour-là, je ne me fais plus jamais de mauvais sang. Tout peut arriver. Demain, je peux gagner le gros lot. Datchenka, ma fille, vous a pris un billet. Si on arrive. Vous avez encore mis le pantalon qu'il fallait pas. Pas jamais rien de bon tout. Vous entendez? Allez, tourneau.
toute la cerisette en fleur. Yuba, tu te rappelles? Cette longue allée, droite comme un ruban. La nuit, elle brille quand il y a de la lune. Tu te rappelles? Quand j'étais enfant, le matin avant même d'ouvrir les yeux, je sentais la cerisette autour de moi. Je reconnaissais chaque oiseau à son vol. Et quand je courais à la fenêtre, voilà ce que je voyais. Tout est pareil. Tout est blanc. L'hiver est fini, que nous voici toutes jeunes, toutes heureuses. Les anges du ciel sont toujours là. C'est moi seule. Ah, si je pouvais m'ôter ce poids que j'ai sur la poitrine. Si seulement je pouvais oublier ces dernières années, retrouver la petite fille que j'étais au milieu de tous ces arbres blancs, toujours blancs, respirer comme autrefois, comme mon enfance. Et dire que la cerisée va être vendue aux enchères pour d'être. Regardez, maman qui est revenue, qui traverse le sentier. Elle a mis sa robe blanche. Oh, mais oui, c'est elle. Où ça? Mais où ça? Mon petit oncle, ma reine. Voyons, soyons sérieux pour l'amour de Dieu. Votre défunte mère. Ah, oh, pitié, Seigneur, pitié. Non, il n'y a personne, bien sûr. Il n'y a qu'un petit arbre blanc, un peu affilé. Là-bas, près de la tonnelle. Oh, pourtant, on aurait dit. On aurait dit. Quel magnifique endroit. Des fleurs blanches jusqu'à l'infini et un ciel tout bleu. Madame, non, ne bougez pas. Je vous regarde. Je vous dis bonsoir et. Maintenant, oubliez-moi jusqu'à demain. Oh, vous ! Oui ! Oh, elle m'avait défendu de sortir de ma cachette avant midi. Mais d'abord, j'ai jamais de montre. Et c'était plus fort que moi. Je ne pouvais plus attendre. Mais chut, je m'en vais. Je m'en vais. C'est Pierre. Pierre Trofimov. L'ancien précepteur du petit Grisha. Pierre. J'ai donc tellement changé. Pierre. Allons, Luba. Allons. Oh, mon Grisha. Mon enfant, mon petit garçon. Dieu vous l'a donné. Dieu vous l'a repris. Ce n'est la faute de personne. Oui, ne pleurez plus, voyons. Bien sûr, ce n'est la faute de personne. Mais pourquoi fallait-il qu'il tombe dans l'eau? Pourquoi? Pourquoi? Agnac est endormi. Et moi qui parle si fort. Il fait tout ce bruit. Pierre, voyons. Pourquoi êtes-vous si changé, mon Dieu? Que vous est-il arrivé? Et cette tenue? L'autre jour, dans le train, une bonne femme m'a appelé le baron de la Bourse Plate. En ce temps-là, vous étiez encore un petit étudiant, qu'est-ce qu'un gamin? Et voilà que vous avez déjà des cheveux blancs. Et une barbe. Pierre. Peut-être que vous soyez encore un étudiant. Oui. Oui. Je crois que je resterai toute ma vie. Allons dormir. Oh, toi aussi, Yona. Tu as vieilli. Ah, on va enfin pouvoir allonger ses jambes. Ce n'est pas trop tôt. Alors, naturellement, chère madame, je m'invite pour la nuit. Et demain matin au réveil, je vous rappelle mes 240 roubles. Ah, il ne va jamais l'heure, celui-là. 240 roubles. Les intérêts de mon hypothèque. Notez que je ne vous demande pas un sou de plus. Mon pauvre ami, j'ai tout dépensé. Maria peut vous le dire. 240 roubles. Je vous forcerai à les reprendre, vous le savez. N'en parlons plus. Mon frère vous les donnera. Oh, donnez-les. Eh oui, et compte là-dessus. Puisqu'il veut absolument nous les rendre, on ne peut tout de même pas les lui refuser. Et puis, il a son hypothèque à payer, tout de même. Je
Je vois que ma sœur jette toujours l'argent par les fenêtres. Mais il faut que ça change. Il faut mettre de l'ordre dans cette maison. Et tout d'abord, qu'est-ce que tu fais là, toi? À l'office, mon ami, à l'office. Ah. Toujours le même, Léonide Andreïevitch. Mais qu'est-ce que c'est? Toujours le même. Bon, ta mère est arrivée pour te voir. Elle t'attend dans la cuisine depuis 2 jours. Le diable l'emporte. Allez, quoi, mais tu n'as pas honte? Allez, va. Va la retrouver, allons. Oh, pas une minute pour m'amuser. Allez. À peine on arrive déjà les parents. Oh, celui-là alors.